À la 18e place de vos chansons de l'année, vous avez élu Mentissa avec son tube Mamma Mia. Il aura fallu à peine 2 ans à la jeune interprète Mentissa pour arriver au sommet. Action. Si Mentissa a d'abord été la finaliste malheureuse d'un célèbre télécrochet en 2021, son destin bascule quelques mois plus tard. Avec un premier tube imparable aux 35 millions de streams, et bam! J'adore Mentissa, et puis je chante tellement bien, divinement bien, une voix tellement pure. Studio, live, c'est la même chose, encore plus puissant en live. Elle arrive à mélanger l'univers un peu français dans les paroles, avec une vibe un peu d'ailleurs, que ce soit dans son timbre de voix et dans le rythme de sa musique. Ce titre, qui a réussi à conquérir le cœur de tous les Français, c'est son ancien coach Vianney qui lui a écrite. Mentissa, c'est une fille qui m'inspire énormément depuis la seconde où je l'ai rencontrée. Grâce à lui, ma vie a quand même changé. D'une part parce qu'il m'a écrit des chansons, et oui, parce qu'il m'a montré ce que c'était la générosité, l'humanité, l'humilité, en tant que personne et en tant qu'artiste surtout. Désormais complices, les deux artistes ont à nouveau travaillé ensemble sur le 3e single de Mentissa, Mamma Mia. Ce single d'or que vous avez plébiscité cumule déjà plus de 25 millions de streams et est en passe de détrôner Ebam. Mamma Mia, il faut commencer en bas et monter tout là-haut. Et ça, il faut être très très équipé, très armé. Je vais présenter et puis évidemment, elle l'a sublimé, elle se l'est appropriée à 2000%. Et tout de suite, votre 18e chanson de l'année, Mamma Mia. Essentiel, il aimait Candide, sa bohémienne. Elle était gauche, elle était droite, surtout la débauche. Je cale les goûts, ce mot dans sa poche, elle a compris d'un coup. Je m'emporte.
Merci.